Ou pensez c'est moi qui dis, de Timothée 3, verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Chaque génération qui a passé, bagala vinpi, besoin nous camper pour nous défendre Jason. Yo. On pas qu'être Jason là. Yo en bataille. Besoin nous-mêmes, les Paul et Silas, aguerris dans la foi pour nous camper, pour nous goumer pour Jason. Actes chapitre 17, versets 6 à 9. Nous allons lire la parole de Dieu. M'appelez pour vous. Vous mettrez tes chita kotoya, respectez parole là dans le cœur. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Verset 7. Et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Parole du Seigneur et le peuple de Dieu dit Amen. Debout pour la nouvelle génération de croyants. Debout pour la nouvelle génération de croyants. Est-ce que vous voulez dire parole, ça va? Debout pour la nouvelle. Au cas dit avec plus conviction. Debout pour la nouvelle génération de croyants. Bien-aimé, message matin, la bonté gens étrange, bonté gens anormal. C'est un message pour nous autres parents, mais qui concerne nos enfants. Pensez à un message ça tant qu'on espèce de réunion des parents. J'ai l'homme de l'école, de temps en temps qu'on s'aurait les réunions des parents. Dans réunion des parents, c'est le moment côté l'école l'envoie chercher les parents. Et en général, l'école l'envoie chercher les parents, ce n'est pas toujours pour de bonnes raisons. Ça a toujours fasciné dans le moment ça. C'est que les parents toujours demandé dans la tête li, qui ça ti moun nan fait encore là qui fait au voyer d'elle parents pas j'aime dit tête li qui ça le ta doit faire lui même li pas fait l'école la voyer d'elle c'est toujours problème non c'est toujours ti moun nan pas vrai donc ça m'a dit oui. Son message réunion des parents. Vous savez bien aimé les trois adversaires du chrétien, l'ennemi, le monde, la chair. Il a livré une bataille acharnée, une bataille sans merci à nos jeunes gens, à nos enfants. Ils ont grandi, c'est vrai, dans l'église. Ils ont grandi, c'est vrai, dans la famille chrétienne. Mais à partir du moment où ils ont franchi seuil porte la caïnou, ils ont guettant abandonné la foi. Des fois, ils n'ont pas même temps que ils ont quitté caïnou, là en bas genou. Yo getan pa nan bagay la foi encore, yo getan pa nan bagay l'église encore. Jeune yo désarmé, yo pas comprendre ça qu'a privé. Mais vous savez, le plus inquiétant dans l'histoire, c'est que nous non plus, nous ne comprenons pas toujours ce qui leur arrive. Qui ça qui fait yon ti moun qui grandit dans l'église, qui était par ailleurs membre du ministère des enfants, qui était très actif dans l'église et qui arrivait au moment où il décidait, question l'église, il n'est pas là-dedans du tout. Il décidait de prendre ville en main. Il était levé dans la chasteté qu'on est que, Koli, c'est le temple du Saint-Esprit. Il était qu'on est que il n'est pas supposé dans une relation intime avant le mariage. Mais il décidait tout simplement, il va vivre à un monde dans un caille. En dehors des liens du mariage. Qu'est-ce qui arrivait, Timounsa, qui t'est levé dans la parole de Dieu, qui retournait viré d'eau, par la parole, bon Dieu. Gagnons un président, c'est un président français, Jacques Chirac,
Lors d'un sommet, le sommet de la Terre à Johannesburg en 2002, monsieur était prononcé une phrase qui était une phrase célèbre. Qui ça, monsieur dit? Monsieur dit, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Quand nous prenons du feu, nous même marchons chercher miracle. L'objectif du message, c'est de nous équiper à mieux comprendre ce qui se passe. Et le message a gagné seulement deux points là-dedans. Premier point, sous forme de question, comment nous comprendre la bataille spirituelle, jeune noyau a fait face là, et qui ça nous a fait pour nous-mêmes, parents, pour nous équiper pour nous battre bien. Contexte passage, c'est peut-être un contexte où on est très bien. Paul et Silas retrouvés en prison à Rome. Au chapitre 16, la parole de Dieu nous dit, il y a une intervention divine qui fait, il y a un tremblement de terre, porte de prison en ouvri, il y a sûrement de l'autre prisonnier qui profitait, il a sauvé, il a échappé pour lui. Mais cependant, Paul et Silas, ce n'est pas n'importe qui prisonnier, il a été pris sous tête de M. Sayo. Donc, il a été choisi deux gardiens spéciaux pour mettre surveiller Paul et Silas. Il se trouve que porte prison pété, probablement de l'autre prisonnier échappé. Paul et Silas même, il aurait été en dans prison. Hein? Il n'a pas évadé, même Jacques Lotio, il aurait été chita que propose. Gardien prison, hein? Il a été bail loi, il a été bail possibilité pour veiller monsieur. Yo, monsieur commence à paniquer. Monsieur dit, ça le bras le fait là parce que Jean, monsieur, ça est important dans les yeux. Magistrat, yo, si on connaît Paul et Silas sauvé, lui-même, gardien, hein, il est dans problème. Cependant, monsieur a fait toute réflexion ça yo pour la touiller tête li. Paul et Silas dit non, pas fait tout mal. Nous là, nous pas sauver ou mettre tranquille, nous là. Monsieur étonné, monsieur dit mais qui ça pour me faire? Et c'est là, parole célèbre ça où qu'on est en sortie, Acte 16, 31. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, gardien accepté le Seigneur avec toute famille. Et finalement, après, ils ont remetté monsieur en prison parce que monsieur n'a pas sauvé. Quand il y a là, le magistrat Ovini, le Ovini apprend que Paul, c'est Romain, et ils ont mis en prison injustement, ils ont demandé le pardon, tant pis, s'il vous plaît, Paul dit non, nous ne pouvons pas demander le pardon en secret. Nous te mettons en prison gros la journée, c'est pour nous faire une public, excuse publique pour nous mettre dehors. Chrétien, qu'on est droit, tout, vous voyez, son petit parenthèse. Avec un pile pardon, tant pis souple, monsieur, yo mettez au dehors. La parole de Dieu me dit dans Actes chapitre 17, une fois que monsieur au dehors, yo sorti de prison, Paul avec Silas, yo reprend engagement missionnaire, yo. Et avant yo arrivé Thessalonique, yo fait plusieurs arrêts, mais finalement yo arrivé à Thessalonique. Et là, il commence à annoncer l'évangile de grâce dans la synagogue. Lo appli texte long, Actes chapitre 17, monsieur a annoncé l'évangile parmi les juifs de la synagogue Guéampil qui commençaient à accepter le Seigneur Jésus. Mais plus que juifio, c'est surtout les grecs qui commençaient à accepter le message du salut en Jésus-Christ. Et le texte me dit qu'il y a parmi juifs qui étaient là, juifs qui étaient dans la synagogue, religieux, yo, pas vrai. Jalousie prend yo. Yo commencé à monter tête full monde qui était là pour yo lever contre Paul et Silas. Jalousie prend yo, puisque ministère monsieur a avancé, l'évangile a fait chimène, moun a pouvri cœur pour accepter le Seigneur. Yo même en tant que chef religieux, ça dérangeait yo. Texan dit, yo prend quelques vauriens de monde qui était sous place publique, qui pas ta fanyen, yo met à avec yo, pour y al deye Paul et Silas. Et c'est non parti al deye Paul et Silas, yo arrivé ka yon jeune homme qui relè Jason. Dis avec moi Jason. Il arrivait qu'à Jason, il a le cherché pour l'Axilas. Il y a une façon pour dire qu'amène monsieur devant le peuple. Au verset 6, côté nous saute lien, pas vrai. Texan dit, l'œil n'a pas joint pour l'Axilas. Qui ça a fait Jason? Il a pris Jason avec de quelques jeunes frères qui étaient avec lui. Il a traîné devant magistrat villa. Et puis qui ça a crié? Ces gens qui ont bouleversé le monde
sont aussi venus ici. Et Jason les a accueillis. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons remarqué trois bagailles rapidement, parce qu'il faut nous avancer. Première bagaille que nous avons remarqué dans le texte, bien-aimé, il y a trois grandes accusations. Ils ont mis sous dos Paul et Silas, et ils ont fourré Jason dans l'accusation. Première accusation, ces gens bouleversent le monde. Ces gens bouleversent le monde. Et nous avons bien remarqué l'expression, il a bouleversé le monde long. Qui ça Paul et Silas t'a fait? Ils ont prêché l'évangile de grâce. Ces gens bouleversent le monde. Par contre, ça fait connexion, non? Ils ont prêché l'évangile de grâce. Mais dans les yeux juifs, dans les yeux pile foule qui étaient massés, ils ont bouleversé le monde. Le regardez dans le texte anglais, moi, mais j'en le dis là. En anglais, il dit putting the world upside down. Ils ont mis le monde tête en bas. Tête en bas. Premier chef d'accusation. Il y a des Paul et Silas parce que monsieur a bouleversé le monde. Deuxième accusation, où dites tout, mais qui ça y a dit comme ça qui fait y a bouleversé le monde? On a regardé non. Verset 7. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Mais message qui bouleversé le monde là. Paul et Silas a prêché contre l'autre roi qui est le Seigneur Jésus. Et troisième accusation, il y a le fou et Jason la donne. Et il dit magistrat, Jason pas ouais ça pour le faire lui-même. Il prend monsieur ça au cap bouleverser monde là, il accueille la caille. En d'autres termes, mes bien-aimés, Jason lui accepté message de non-conformité au monde là. Jason accepté message de non-soumission au monde là. Jason accepté, accueilli Paul et Silas qui t'a proclamé le nom de Jésus, l'a accepté yo la kaeli. Et yo dit yo pral faire Jason payer pour ça le faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Yo pral faire Jason payer. Et le texte me dit magistrat yo décidé yo pas relâcher Jason tant que monsieur pas payé. Monsieur avait alors Jason pas pour contre lui, il t'a gagné de l'autre jeune frère avec. Tant que yo pas payé caution, tant que yo pas bail l'argent pour yo libérer yo. Mais ça me donne vraiment comprendre. Attendez bien. Paul et Silas, c'est la première génération de croyants. Ce sont des gens aguerris dans la foi. C'est de monde ennemi en pas qu'à menacer yo encore parce que yo chita, yo connaît dans qui est yo quoi, yo connaît à qui est y a marché, ennemi en pas qu'à attaquer yo encore. Vous connaissez ennemi en pas le faire. Puisque le Paca a attaqué première génération, il tournait vers Jason avec l'autre frère qui c'est la deuxième génération des croyants. Est-ce que l'église est avec moi? Jason et les autres frères, la génération d'après. Maintenant, ils viennent de véritables cibles des trois adversaires du chrétien. Le diable, le monde, la chair. Bon, m'explique très bien l'Église, une dimension globale et profonde de la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes engagés, qu'on doit comprendre. Chaque génération qui a passé, il y a beaucoup plus exposé à l'acharnement de l'ennemi. Chaque génération qui a passé, plus temps passé, génération qui a venu, il y a beaucoup plus exposé à l'acharnement de l'ennemi. Vous pensez c'est moi qui dis, de Timothée 3, verset 1 à 5, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Chaque génération qui a passé, bagay la vinpi. Besoin nous camper pour nous défendre Jason yo. Bon pas qu'être Jason là, yo nan bataille.
besoin nous-mêmes, les Paul et Silas, à guérir dans la foi pour nous camper, pour nous goumer, pour Jason. Les adversaires, le diable, le monde, la chair, sont après les Jason. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre plus grand combat aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ, notre plus grand combat, notre premier combat, c'est un combat pour une nouvelle génération qui a venu, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Qu'est-ce que ça me dit? Son combat pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ou dit, pasteur, moi, je ne sais pas si je suis un petit monde. Ou bien, gagné. Si vous avez gagné pour compte pas, vous avez gagné qui gagne. Si vous avez gagné qui remet le Seigneur, vous comprendre que la bataille pour mener Kounia, c'est une bataille pour la nouvelle génération. D'après elle dit, même pas nous dans compte avec, d'après elle dit, nous fin vendre, nous fin acheter. Mais où qu'on est créole là, ça va extraordinaire, moi, mes créoles là. Nous fin vendre, nous fin acheter. Alors, c'est pas nous tous. Ou bien, bon, il sait pas qu'il y a qui fin vendre, qui fin acheter. Ah. Bon, t'as le bon, poser une petite question. Entre nous, va vrai? Entre nous, on est l'église, le berger, mon berger, pasteur Moïse, même si on est berger autour. Comme c'est pasteur, nous avons fait parler avec nous, pas vrai? Qui a commencé à passer l'an mort dans la bêtise même? Nous avons toujours fait l'an mort. Hein? Jusqu'à présent, nous n'avons pas qu'à moquer nous de la mort. Nous finissons vendre, nous finissons acheter. Pas ici. Hein? Bon. Lorsque nous finissons vendre, nous finissons acheter, ça veut dire. Kounia, c'est pas que tu vas te marier. C'est mon et on va remettre. Nous voyons mon bon conservateur ici. Let's get back at it. Nous là, nous pouvons rendre l'âme. Et si pour aller, nous allons camper debout avec la bannière de l'évangile. Quand tu as sauvé une nouvelle génération, il faut sauver une nouvelle génération pour Christ. Sauver-le pour Christ. Comment pour nous comprendre la bataille spirituelle, jeune nous y a fait face? Mais ça me t'a vraiment comprendre. Fais attention, tendez-moi bien. C'est une bataille de soumission. C'est une bataille de conformité au monde. Le monde l'en remet pour y soumis. Le monde l'en remet pour y conformer tête à sa lavande. Le monde l'en remet pour y pas dans la logique de bouleversement pour l'axilas. Monde l'en remet pour yo plier tike yo pour yo suivre foule là, mais ça monde l'en gagne comme projet pour yo. Konnen, n'a regardé statistique sur comment jeunes yo vivent. Il y a plusieurs là dans yo regarder. Gagne yon qui intéressé, gagne son statistique de Gallup. C'est une enquête yo t'ai fait en juin 2023. Mais ça, enquête lundi, selon ça, yo rapporté, gagnait 51% des jeunes adolescents qui passaient au moins 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. Pour les jeunes filles, yo même yo passé plus que 5 heures par jour sur les réseaux sociaux. Et les jeunes garçons, les jeunes hommes, yo passé plus de 4 heures par jour sur YouTube et TikTok. C'est ça yo qui est plus populaire. Maintenant, nous prenons un petit temps pour nous réfléchir. Nous voyons Timounio l'église le dimanche, pas vrai? On dit yo vini dans l'école du dimanche, c'est pas tout qui vini. Et là, je vous dis aussi, je vous informe. Le maldé a de temps en temps mal gardé, moi qui est-ce qui là, qui est-ce qui vini pour l'école du dimanche. C'est pas tout qui vini. Bon, on supposait que yo vini dans l'école du dimanche. Ça veut dire, par semaine, ils ont passé environ une heure de temps dans la parole. Si vous venez, oui, dans l'école du dimanche, on dit, nous baillons une heure de temps chita dans l'école du dimanche dans la parole de Dieu. On t'a dit, si vous avez venu tout dans l'étude biblique, parce que vous avez étude biblique le mercredi, ils ne sont pas comme ça par an, nous vous informons, pas vrai? Nous avons réunion des parents, pas vrai? C'est réunion qu'on a fait. Le mercredi, vous avez étude biblique pour les jeunes de l'église HMBC. Ici, hein. OK, gain étude biblique pour yo. Pour le moment étude biblique là, il fait en ligne avec Zoom, pas vrai? On dit yo vini vrai. Yo pas vini non,
Mais on dit au vini gen, le malheur gen vini ou pas ouais visage yo, ou pas compte si y a tant d'eau, si y a pas tant d'eau. Ou pas compte si yo nik mette écran et puis y a le règle à faire yo, yo kite ou pas en pile, après yo, ou pas gen contrôle ça. Ma performe ou pas vrai? Son bataille nous pral mener, faut connait comment on a combattre, pas vrai? Bon. Nous pas connait si yo là, mais yo dit yo là nous est non yo en bas, intel oui il est là. Nous pas compte si l'a prêté attention. On prétend que lui la vraie, lui prête attention, étude l'endure environ une heure et demie, ok. On dit, lui passons l'autre deux heures de temps, très généreux. Lui passons l'autre deux heures de temps dans la parole de Dieu. Ça fait combien d'heures par semaine? 3 heures. Et nous dit 3 heures, hein, c'est parce que moins généreux. Ou pas qu'une garantie, lui passer 3 heures vraies. Maintenant, comparer 3 heures ça par semaine à, pour pipiti, 28 heures sur réseaux sociaux. Par semaine. Est-ce que vous avez suivi avec? 28 heures en côté, 3 heures en côté, et même 3 heures, on va même sûr que vous là. Au compte, ça a passé, bien aimé. Le monde a fait lavage de cerveau dans le monde. Quand elle a brûlé, nous-mêmes, nous avons gardé l'autre côté. Quand elle a brûlé, nous-mêmes, nous avons gardé l'autre côté. Il y a un prédicateur, que je m'attendais, sur les Tim Keller. Je utilise un thème trouvé qui extraordinaire pour lui décrire la réalité ma palola. Je dis, nos enfants sont à l'école de catéchèse du monde. Combien de monde qui gagne tradition, qui connaît tradition catholique, nous on sait les catéchismes, pas vrai? Le catéchisme. Eh bien, nos enfants sont au catéchisme du monde. C'est le monde-là qui a formé pour nous. Et Tim Keller identifiait 4 grands discours monde-là pour te baïti moun yo pour nous connaître. Pour nous connaître, parce que ou pas qu'à bataille. La parole de Dieu me dit dans Romains, soit bataille, il faut qu'on connaisse comment pour bataille. Il y a 4 grands discours, il y a pour te baïti moun yo dans la vaille cerveau qu'a fait dans yo. M'bal botou le 4. Est-ce qu'on est avec moi jusque-là? Premier discours, c'est un discours sur l'identité. Tim Keller dit, discours sur l'identité, en l'hypathie comme ça, sois vrai avec toi-même. On dit, Tim, non, sois vrai avec toi-même. En bon anglais, on t'a dit, do you. Do you. Be real to yourself. Ouais. Rete conforme à tête. Be you, do you. Discours sur l'identité. Deuxième discours, c'est un discours sur la liberté. Discours sur la liberté, hein, l'hypathie comme ça. Tout le monde doit être libre pour vivre sa vie comme il veut, comme elle veut, dans la mesure où il ne froisse pas d'autres personnes. Ou libre pour vivre la vie, jongler. À partir du moment où pas embêter l'autre monde ou pas déranger l'autre monde, vivre la vie, jongler. Discours sur la liberté. Troisième discours, discours sur le bonheur. Discours sur le bonheur, il partit comme ça. On connaît à la fin des fins, tu dois faire ce qui te rend heureux. Fais ça qui procure ou qui bon bonheur. Fais sauver ça qui fait quoi ou content ou bien non pour l'an, c'est lui pour faire. Discours sur le bonheur. Troisième, quatrième discours, discours sur la moralité. Personne ne peut dire ce qui est bon et ce qui est mal. C'est vous qui définissez ce qui est bon pour vous et ce qui est mal. Est-ce que l'Église a fait? Alors, nous avons prié, mais il faut nous prier avec discernement. Et bien, prier pour prier. Il faut nous prier avec discernement. 4 discours, c'est discours où je joue dans le film, si vous avez regardé, où je joue dans le chant, vous avez chanté. Ou joindre quel que soit type de message qu'a véhiculé en général sur les réseaux sociaux, c'est autour de discours ça yo, message ça au véhiculé. Yo prenons forme ou bien yon l'autre, mais à la base c'est ça ti moun yo tande la journée pour la nuit, 28 heures pour pipiti ou passer sous réseaux sociaux par semaine. Non, c'est ça yo y a tande. Nous en bataille. Non, ou dit pasteur, mais il faut qu'on t'a pris un petit temps pour dire, parce que vous n'avez pas qu'à bagarre ou dit là dans le discours, moi c'est vrai. Je ne peux pas rentrer dans le détail, ça m'a retourné pour m'expliquer qui ça a impliqué.
discours qui dit sois vrai avec toi-même, be yourself, do you. Je pas besoin d'expliquer ça, l'impliquer l'autre fois. Ou attendre des messages ça ou souvent parce que nous comprenons que bataille nous gain pour nous mener à l'équilibre, c'est pas bataille chercher délivrance encore. Même si c'est deux monde qui dit amen, m'a pour dire. Nous pas qu'en bataille chercher délivrance encore. Notre maison brûle. Au lieu pour Timounio, tu as dans le bouleversement par rapport au monde. Ils sont dans la soumission au monde. Bataille qui est là, son bataille pour faire Timounio soumis. Ou pas m'en détête tout. Please, do not judge. M'bral dit yon bagay, pas pote courir, pote bourré, excusez m'expression pour al juger. Ou pas m'en détête tout. Ça qui fait dans la famille chrétienne nou yo. Nous même nous venons à l'autre tradition. Pour qu'on j'en ouye. Nous c'est chrétiens, nous c'est haïtiens. Ou pas m'en détête tout. Ça qui fait un petit monde, petit de chrétien haïtien, yon est un bon matin, yon levé, et puis petit monde n'a pas été dans le cas là, col plein tatouage, les gonz en don en elle, les gen 4 ans dans l'oreille gauche li. Ou pas mando ça qui a passé dans tête Timounza? M'a mando juger. Point m'a fait là, c'est pas pour dire de bon moun gen tatouage, son vieux moun nié. C'est pas ça mon point. Le point c'est que qui ça qui a passé dans tête Timoun qui pas de jambes gen bagay sa ou? Et puis tout d'un coup, something is happening. Ou kon problème non? Problème nous gen, c'est que automatiquement nous ça, nous commençons à frapper Bible dans tête li. Nous commençons à râler verset pour nous dire Satan dans tête on m'a retiré. Mais nous pas connait ça qui passe en dedans, qui fait le river là. Problème là nous attaquer ça paraît là. Nous attaquer effet mais nous pas aller dans racine ça qui passé là. Au compte depuis combien années ti moun ça a brainwash? Ou compte depuis combien d'années, il y a un lavage de cerveau. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Que faire, pasteur? Comment nous aider Timounio fait face? Nous devons créer une contre-culture. Nous devons créer l'autre catéchèse ou catéchisme. Nous devons retourner. Vive l'évangile de la grâce. Trois bagailles. Mais ça concrètement pour comprendre et pour faire. Nous sommes toujours, faut qu'on crée une contre-culture. Faut qu'on retourne à l'évangile de grâce. Premier bagaille. Ou de apprendre à connecter avec Jason qui n'en voulant. Ou qu'on est Jason, at this point, right? Jason, c'est jeune ça. Qui peut avoir un niveau de maturité dans la foi, pas vrai? Ou doit connecter avec elle. Ou doit apprendre à aimer Jason d'un amour inconditionnel. Lorsque regarde des petites foules, la petite garçon là, c'est pas pour garder le temps qu'on problème qui besoin résoudre. Bon, dis ça encore. Il pas un problème qui besoin résoudre. Faut qu'on prenne temps pour parler, connecter avec elle. Il a besoin de l'amour inconditionnel. Il a besoin de l'amour de Jésus-Christ qui n'en où. Il n'est pas normal que seule conversation gagne à Timoun. Non, c'est l'a prêché le bout dit ça. Et quand ça me délève, ça c'est bagaille ancien temps. Si c'est non, ça continue au père du bataille, ça déjà, et moi, regrette ça pour vous. Au père du bataille, ça longtemps déjà. Seule conversation, c'est chita sous l'amour. Est-ce qu'on connaît ça, Timoun, n'a vivre? Qui qualité stress? Qui qualité mépris? Bon, bah, il y a peer pressure. Est-ce qu'on connaît qui qualité pression la vivre? Est-ce qu'on connaît ces jeunes vie ça? Qui à peine rentré dans l'adolescence, li? Et puis, où qu'on est? C'est humain, c'est la nature humaine. Li gon ti jeune homme, li, ouais, li gon ti yeux pour lui. Ti jeune homme, non, ignorer, mépriser. Li senti c'est amour de soi qui crasé. Li senti le pas en rien. On y a là, imaginez même ti jeune homme ça qui t'a ignoré là. Font une ouverture sous lui, il est en prêt pour le faire. Tout le bagage. Qu'on y a finalement, si jeune homme, ça a été vraiment considéré. Vous pensez le bras de même cap? Lui-même, lui-même, l'autre réalité.
Ou même, ou a prié pour diable qui a attaqué. Parce qu'on prie sans discernement. On prie sans discernement. Si nous avons besoin de connexion, si nous avons le bagage à manifester extérieurement, ce n'est pas le bagage à commencer. Est-ce que l'église avait? Il faut qu'on connecte. Il faut que nous jouions de nouvelles façons pour nous connecter à l'autre génération. Yo. Deuxième bagage. Il faut que nous montrer vulnérabilité. Non. L'homme dit montrer vulnérabilité, nous, gon bagay pour nous pas faire. Faut nous pas comme si on essayer manipuler ti moun nan. Ouais, ou konnen gen de parents qui manipulateur. Ouais, ti moun ale ki le bien-aimé. Yo plus intelligent passé nous longtemps. Believe me if you want. Nan réunion des parents, amen. Yo intelligent passé ou pas ça qui a passé. Pas oublier son question de prophétie qui a pas accompli. On est au dernier temps, souvent soit fait par un manipulateur, you're wrong. Yo bon gens yo détecté tout petit faux pas, ou on a prié à là, ou souligne dans c'est vrai et pour être en même côté ou bon zin pour bail, il a détecté toute bagaille. You can talk all you want. But your actions will speak louder than your words. Ça me l'a dit. Elle me dit, soyez vulnérable. Ce n'est pas une question de manipulation. Il faut qu'on montre Jason qui n'en voulant sincèrement dépendance ou de Christ. Dépendance ou de Christ. Des fois, on dit, j'en trop spirituel. Il n'y a pas qu'à connecter à voir parce qu'on est trop spirituel. Bien laisse tout son vin sensible. Au compte de sa trop spirituelle, lui dit, ou pas qu'à gon en conversation normale à Timounan parce que ou ramener toute bagaille, son question de diable, ou toujours prêt, ou toujours privé ballon verset. Petite foule, petite garçon, des fois c'est pour un verset le besoin. Des fois le besoin de conversation avec maman, avec papa, les besoins de conversation. Juste une conversation au niveau humain. Parce que sous Baba Lille, la jeune monde qui a fait la veille. Juste une conversation. Et pas venir avec un agenda. Chita tant, tendez. Faut que l'ikawe l'effet de la grâce de Dieu dans la vie. Le m'a parlé de vulnérabilité. Ou qu'on est ça nous fait, nos mêmes parents. Pas nous-mêmes ici, hein. Bien entendu. Hein? Pas nous-mêmes ici. Hein? Ça nous fait, témoignage nous, son bagage soit net. Moi-même, l'homme t'es si, mon kaye parent, m'a pas de jambes qu'on a agi comme ça. Moi-même, moi pas, regardez, tout ça m'a fait, c'était, ou t'es parfait. Ou t'es tellement, you got it all right. Let's see, mon n'a des témoignages, c'est-à dire, oh man, m'a pas de jambes qu'à égaliser à maman, maman son sein, son parfait, papa même son l'autre. Si mon n'a pas qu'à reconnaître lui. Parce que la parole, on sait, et puis il est conscient de ça qui a passé dans la ville. Ou met ton gros mu, j'en sais là, il n'est pas qu'il raconte ça qui a passé. Ou pas montrer vulnérabilité, ou pas montrer ça l'évangile de Jésus-Christ fait dans la vie. Ou. Pas que monde qui parfait, nous tous qui là, sont pas que les gens dépravés, nous y est. Si ce n'est pas de grâce de Christ dans la vie, nous, moi-même avec vous, nous sommes finis. Faut que tout le monde ait ça. Nous trop spirituel pour tout le monde. Nous yo. Yo pas qu'à connecter avec nous parce que nous venons trop spirituel pour yo. Yo comprendre que wow, son l'autre niveau maman mie. Yo pas ouais ça la quoi fait. Yo pas ouais ça le sang de Christ fait. Yo pas ouais l'évangile de la grâce que nous vivons là. C'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous mais c'est un c'est un don de Dieu. Il n'y a pas ouais ça. Il y a un paquet religieux. Nous prions vrai. Il y a dit, il n'y a pas besoin de prier comme ça. Nous montrons nous trop spirituels. Nous pas qu'à connecter dans le niveau ça pour nous prendre en bas, monter avec nous. Soyez vulnérables. Expliquez Jason comment on t'a rencontré Christ. Quelle qualité péché qu'on a fait? Petit péché mignon.
Ou pas je me raconte mon. Non, peut-être qu'on peut partager la jason. Montrer jason ou son monde tout, c'est grâce bon Dieu qu'il faut vivre. Est-ce que m'a parlé en monde matin hein? C'est grâce bon Dieu bien-aimé. Et l'évangile ça nous doit prêcher la tête nous tout chaque jour, oui. Des fois n'oublier que c'est sous grâce bon Dieu. Troisième bagaille. Déconstruire discours mondelan pendant n'a établi Jésus comme roi dans la vie non. Roi dans la vie Jason. Jason de comprendre, c'est pas aller chercher dans lui-même. L'a pas fait face à tout désir li gagne yo. Dans la nature humaine, pas gagne rien qui bon. Et l'évangile l'en capable appliquer toujours, bien aimé. L'homme nous comprend l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de grâce, soit comprendre nan nous pas gagne rien qui bon. Des bons discours abdou al nan ou fait ça cœur doux etc. Discours ça son discours cap menon nan perdition. Jason doit comprendre. C'est par la grâce que nous vivons. Satisfaction, non, c'est dans Christ, nous qu'a joigné. Nous avons besoin d'un sauveur. Et seul monde qui a sauvé, nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Suspendre fait Jason penser, c'est où sauver pour peut-être pas. Ce n'est pas où sauver tête où. C'est Christ qui sauve, nous. C'est dans grâce, c'est dans l'économie Christ, nous vivons. Nous dépendons de lui. Oh, Psalmiste 110, Seigneur, si tu gardais le souvenir de nos iniquités, qui pourrait subsister? Get will, même avec nous, trop parfait. Trop parfait. Et appliquer l'évangile dans la vie, non? Nous devons encourager, non? Le message a commencé, on va te passer, on va te venir comme ça, non? On va passer ces deux, on va le balai. Si nous voulons sauver, il faut que nous appliquions l'évangile là, dans notre propre vie, pas nous. Est-ce que l'Église avait? Que le Seigneur aide nos bien-aimés. Que le Seigneur aide nous. Prions le Seigneur. Amen.